Madame, monsieur, bonjour et merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes avec des journaux disponibles dans les kiosques. Alors, qu'est-ce que la presse nous propose? Découvrons ensemble avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la présidentielle 2018, les petites batailles des présidentiables. Donc, c'est ce qu'on lit dans le journal. Donc, les candidats à la présidentielle du 17 octobre prochain se meuvent donc sur différents terrains, tandis que certains sont donc allés à la recherche de contrats et même de soutien du côté des lampistes du milieu. D'autres sont également en pré-campagne en Europe, écumant ici les départements et même les régions du triangle national, ou encore sont donc à pied d'œuvre et à peine visibles même sur le terrain. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le même journal parle également de la circulation des armes à feu à Tangandi, assouplit donc sa position. Le MINAT a levé la suspension des ventes d'armes à l'intérieur du Cameroun, mais cette décision ne concerne toutefois pas les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est en page 8 du journal qui parle également de la santé publique sauvée, la médecine traditionnelle. La 16e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle a permis donc de démontrer comment les Africains ont donc les moyens de soigner le corps humain, en page 3 de ce numéro. Et puis on parle également des misères des populations déguerpies avec le comité diocésain des activités sociales et même Caritas de Douala, qui a d'ailleurs et qui a restitué bien entendu l'étude de l'impact économique et social des évictions forcées dans la capitale économique du Cameroun, en page 7 du journal. Et puis Infomatin parle de basse manœuvre à Piveux, sucer la canne 2019, soutenu donc par la mafia du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidounkpat, qui est également aux commandes, le président du comité de normalisation. Donc les deux font le qui fait d'ailleurs qui fait le dilatoire, celui de la normalisation, pour rester le plus longtemps aux affaires à Tinga et davantage se sucrer aussi, c'est ce que dit le journal en page 8. Le journal parle également d'avance de solde de la pension de pension donc au ministère des Finances. Là-bas, la cellule informatique du ministère des Finances est donc au cœur de la mafia, selon le journal. Ce service est au centre du système de fraude, à l'origine des détournements massifs qui handicapent bien entendu le déroulement et même rendent lourdes aussi les caisses de l'État. C'est ce qu'on lit également en page 3 du journal, disponible dans les kiosques ce matin. D'autres informations sont contenues dans le numéro Le Tabloïd, qui est disponible. Et on va également découvrir dans la presse ce matin d'autres informations qui vous permettront aussi de pouvoir lire. D'ailleurs, le quotidien Le Messager, qui est dans les kiosques, revient sur un sujet aussi intéressant ce matin, parlant notamment des mauvaises performances du premier semestre au Cameroun sur la question du budget d'investissement public dans notre pays. Ça devient donc un véritable souci pour l'économie du Cameroun. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression, le journal Le Messager, pardon, disponible dans les kiosques également. Ce matin, un autre journal, c'est Info Matin, on l'a évoqué. Il y a aussi d'autres infos que l'on peut découvrir dans le numéro, parlant notamment de Samuel Eto'o, qui donc impose ses hommes à la fédération, ou tout au moins dans le staff sportif au Cameroun, notamment le football. Ce sont des informations à lire dans le quotidien Le Messager de ce matin. Le journal Mutation, qui est également dans les kiosques, s'intéresse à autre fait, parlant aussi de ce couloir. Le 3 septembre au 7 octobre 2018, le couloir de l'angoisse dans le nord-ouest et le sud-ouest, et tout cela continue dans le journal. Qu'est-ce qui va être fait entre-temps? Ça reste également une sorte de frappe d'action qu'il faut mener aussi pour rassurer les populations et assurer également la sécurité de ces personnes qui vont soit aller au vote, et aussi les élèves qui ont commencé à prendre le chemin de l'école depuis le 3 septembre dernier, souvenez-vous d'ailleurs. Donc c'est à lire aussi dans le quotidien Mutation de ce matin, à lire aussi dans le journal Émergence, qui est dans les kiosques. C'est le quotidien privé bilingue qui est dans les kiosques, qui s'intéresse à l'actualité, parlant d'ailleurs des 1000 milliards de dettes donc à payer par le Cameroun, 113 écrites. Quelle est donc la formule utilisée, parlant notamment des finances publiques au Cameroun? C'est donc les actions qui ont été menées au cours de l'enquête menée également pour voir comment est-ce que l'argent a été distrait et comment est-ce que l'argent a été utilisé aussi. C'est un autre dossier que propose le journal Émergence ce matin. Le journal parle également de la camote 3 milliards de perdus, avec à l'époque, bien entendu, de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, à Tangana Kouna. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs à la une du journal. Donc, il y a eu des distractions de fonds, beaucoup d'argent donc pour parler, pour évoquer notamment ces distractions de fonds aussi dans le secteur de l'eau au Cameroun, notamment à la Camoët. À lire donc dans la presse et bien d'autres informations. Des journaux et bien d'autres sont disponibles dans les kiosques ce matin. Vous pourrez davantage lire si vous faites un tour dans ce jour. Alors, Camille, bonjour. Bonjour, Flavien Valondongo.
Bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs de Kilos Télévision, bonjour à tous les Camerounais qui, comme moi, ont énormément apprécié cette affiche de la campagne présidentielle du chef de l'État, où l'on peut dire Paul Biya, le choix divin. Le choix divin, c'est ce qui est écrit, et de toute façon, ça fait le tour des réseaux sociaux, même affichés dans plusieurs parties de la ville, de Yaoundé, de Douala aussi. Bonjour Guy Hervé. Bonjour Flavien et bonjour. Vous avez également. Apprécié. Bon, disons que j'ai apprécié également. J'ai apprécié, pas une affiche forcément, mais j'ai apprécié les visuels que j'ai aperçus, comme tout le monde d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, d'excellents slogans de campagne, notamment celui du SDF. J'ai vu la force, la diversité. Donc, je crois que c'est le SDF qui signe. C'est un slogan qui, depuis quelque temps, est en train de d'avoir pignon sur eux, et ça m'a semblé, c'est assez lourd, c'est assez fort de symbole. Bref, on comprend que nous sommes en période de campagne. Je voulais ce matin avoir une pensée pour les enfants et les parents qui ont douloureusement repris le chemin de l'école il y a quelques jours. Donc une pensée pour ces parents-là qui souffrent le martyre et qui cette année le souffriront encore plus, car aux dernières nouvelles, il a été inscrit au programme, notamment pour ce qui est de la science, et l'éducation sexuelle, pour parler ainsi, où on apprend aux enfants à faire des choses bizarres, disons-le ainsi. Et dont les parents assistent impuissants à cet état de choses, et ce n'est pas de nature à nous rassurer. C'est dans quelle classe, Guillaume Fonga? En classe de 5e, en classe de 5e, où on apprend aux enfants à faire des choses bizarres. Je voulais simplement dire que le livre pour les pays normaux est un véhicule idéologique, et c'est à travers le livre qu'on construit le Camerounais de demain. Donc si on commence aussitôt à apprendre aux enfants comment on fait la zoophilie, par exemple, je pense que c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. Donc, croyez à ses parents. Comment faire ou qu'est-ce que la zoophilie? Bah, je veux dire, on enseigne aux enfants. On enseigne aux enfants à faire des pratiques bizarres. Si on explique ce que c'est, on devrait vraiment passer à la pudeur. Par pudeur, on n'en dira pas plus, mais assez grave, c'est ce qui se passe. Le livre est un enseignant muet, c'est ce qu'on nous disait de toute façon. Voilà. Donc, on peut lire, on peut également découvrir tout cela pour ceux qui ont la possibilité d'aller dans les librairies et autres. Et pour ces parents qui ont des livres aussi, qui sont appelés à acheter les livres pour leurs enfants. Alors, la presse est donc disponible ce matin. La plupart des tabloïds ils reviennent également sur des sujets aussi intéressants. Comme vous allez d'ailleurs le constater, on parle dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin, on parle du concours de la police. Pourquoi la police fait-elle toujours courir? C'est une question, mais on observe qu'il y a toujours des revendications à chaque fois qu'il y a un concours, beaucoup plus de la police. Flavien Malonongo, il n'y a pas que la police qui fait courir, il y a l'armée qui fait courir, la gendarmerie qui fait courir. Les jeunes ne trouvent pas de travail, les jeunes veulent absolument se caser. Donc chaque fois qu'il y a la possibilité d'un concours, les jeunes, c'est tout le monde qui court. Bon, pendant que les jeunes courent, leurs parents aussi courent. Protecteurs aussi courts. Bref, moi je pense avant tout que c'est que les jeunes veulent d'abord travailler. Il y en a qui n'ont pas la vocation de policier, il y en a qui n'ont pas la vocation de militaire, mais ils y vont parce que ils peuvent pas continuer à rester au quartier. Donc moi je ne crois pas que ce soit seulement la police qui fasse courir pour des raisons plus ou moins objectives, mais toujours est-il que les jeunes veulent du travail, et c'est tout à fait normal que chaque fois qu'on lance un concours, regardez le concours de la police de l'année dernière, c'est cette année, il a pris un an pour que les résultats sortent, mais jusque là il y en a qui veulent, qui prient Dieu tout puissant qu'il y en ait un autre. On peut lancer un concours pour par exemple 200 policiers, on se retrouve avec plus de 1500 dossiers. Bien entendu, mais regardez le recrutement du BIR. On vient de lancer un recrutement. Qui n'ont même pas déjà. On vient de lancer un recrutement du BIR et de la garde présidentielle pour, je pense, 2000. Il y a déjà plus de 5000 dossiers. Donc les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes veulent absolument travailler, veulent se rendre utile. Et pour ce faire, ils sont prêts à aller partout où il y a une possibilité d'emploi. Ça reste un problème. C'est la question du chômage qui amène. Cette ruée, en tout cas, je voudrais dire les jeunes vers ces concours, même si les places sont très limitées, on voit bien que les candidats, le nombre de candidats évolue au fil des ans. Non, mais il faut dire qu'il n'y a pas que la police qui fait rêver. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect chômage, il faut bien remarquer que aujourd'hui il y a une garantie, une sécurité qu'offre la fonction publique que le privé n'offre pas. Il faut peut-être rappeler aux gens qu'on est dans un pays où l'activité
où l'activité informelle domine l'économie à plus de 90%. Et donc il y a très peu, contrairement à ce que les gens pensent, il y a très peu de fonctionnaires, mais il y a beaucoup de gens qui évoluent dans l'informel. Sauf que la fonction publique offre des garanties d'assurance. Vous avez des gens qui, simplement pour avoir le matricule, et qui sont obligés de mener des activités parallèles pour rejoindre les deux bouts, parce que le salaire des policiers, quoi que l'on dise, n'est vraiment pas terrible, et fonctionnaire en général. C'est cette assurance-là qui fait couvrir les gens, beaucoup plus, faut pas croire. C'est l'assurance-là, et le fait de pouvoir, de manière sereine, obtenir un matricule et vaquer à d'autres occupations. Et ce qui est vrai pour la police, c'est vrai pour l'école normale, c'est vrai pour les STIC, c'est vrai pour le CUS qui a fait malheureusement, c'est vrai pour les normes, l'IREC, etc. Non, il n'y a pas que l'école normale. D'ailleurs, le BI également, le doyen en parler, qui fait cours. D'ailleurs, c'est sur votre chaîne que j'ai vu, d'ailleurs, Regard Social, que vous avez brillamment présenté, un jeune qui rêvait de faire le BIR. Malheureusement, il a subi une séquencation qui s'est très mal passée. Mmh. Vous voyez le rêve d'un jeune comme celui-là qui est brisé, qui a rêvé d'entrer dans l'armée parce que c'est un métier qui le... Donc il y a des jeunes comme ça qui sont nombreux, qui rêvent d'exercer un métier. Mais il y a toujours... En général, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus au finish. Très souvent, c'est le cas. Très bien. Alors donc, le journal revient ce matin parlant notamment de... se pose cette question, pourquoi la police fait-elle toujours courir, mais avec à la clé ces contestations qui sont également relevées. Aussi, dans la nouvelle expression de ce matin, on parle de la présidentielle 2018 avec les petites batailles des présidentiables, on le voit. Les visages bien connus, il y a certains qui sont à l'étranger en ce moment pour aller négocier avec des électeurs. Il y a ceux qui sont également qui font le tour du triangle national à la rencontre, bien entendu, de ces populations à qui on présente des gadgets qui pourraient changer leur vie dans les jours à venir. Ben, disons qu'il faut bien que les candidats au poste de président fassent quelque chose avant que la campagne ne soit lancée. Il y en a qui ont commencé à tout faire pour peaufiner leur image à travers une présence soutenue sur les plateaux de télévision. Bon, on les a presque tous vus, parce qu'il y en a qu'on a vu plus que d'autres. Bon, mais seulement en back-office, il y en a d'autres qui s'activent beaucoup plus sur le terrain, comme par exemple ce parti qui, lui, a entrepris de faire la chasse au président des bureaux de vote. Ils se disent que dès qu'ils vont détecter un président du bureau de vote du RDPC, il va le dénoncer. Donc lui, il n'a le regard fixé que sur les éventuels présidents de bureau de vote qui seraient du RDPC. Bon, il y en a un autre qui, lui, est en train de tout faire pour essayer de pouvoir collecter le vote des déplacés intérieurs du Cameroun, parce que ceux qui ont quitté leur village, donc qui ont quitté leur zone dans laquelle ils étaient inscrits pour voter. Bon, celui-là est en train de voir dans quelle mesure on pourrait délocaliser leur vote, mais il se pose justement le problème maintenant de recréer un nouveau fichier pour ces personnes qui sont parties de multiples zones. Bon, il y en a un autre qui, lui, a décidé De s'occuper de la formation d'une armée, enfin, parlant de la formation des armées, d'une armée des scrutateurs. Il recrute des scrutateurs, il commence à leur apprendre comment faire leur job de scrutateur. C'est l'UDC, de toute façon. De toute manière, c'est chacun qui s'active de son côté, mais il faut dire que ce ne sont pas de mauvaises idées non plus. Mais il faut bien qu'ils fassent quelque chose, parce que c'est quand la campagne sera lancée qu'on les verra véritablement face à face, face au public et face au peuple. Alors, un constat fait, c'est que chaque candidat voudrait protéger ses voix dans le cas où ces candidats parviendraient donc à obtenir ce que les populations peuvent leur donner comme étant des voix pour être au devant de la scène, notamment à la présidence de la République. Chacun voudrait sécuriser son vote. Et c'est d'ailleurs la bataille qui est menée depuis quelques temps. Ce qui est de bonne guerre, ce qui est légitime, ce qui est loi. Je ne sais pas pourquoi le doyen veut obliger les gens qui nous regardent à jouer aux devinettes. Donc on peut le dire de manière claire. Celui qui mène par exemple une croisade contre les présidents du bureau de vote, c'est le pur de Serge Espoir Matomba, qui estime que d'ici au 7 octobre, il faut quand même qu'on se rassure. Quels sont ceux qui sont dans les bureaux de vote en tant que présidents, s'ils sont des militants du RDPC ou pas.
Je pense que c'est un combat salutaire, c'est un combat louable, donc c'est à féliciter. Vous avez à côté de ça le SIF qui estime que ce qui est encore vrai. Vous avez des gens qui, depuis que la crise anglophone a commencé, depuis 1 ou 2 ans, nord et sud-est sont revenus dans les zones francophones. Donc il est possible que cela soit exclu, soit privé de leur vote. Et donc une des batailles justement du SIF, c'est de permettre à ceux-là de pouvoir voter, parce qu'ils ne sont pas à l'origine de la guerre. On ne peut pas être comptable d'une situation qu'on n'a pas créée. Donc il est normal que cela leur permette de voter. Et enfin, vous avez ceux qui vont à la diaspora, ce qui est normal, contrairement à ce que Elie Kam a tenté de faire croire en tentant de minimiser le chiffre d'inscrits, 13 000 électeurs inscrits dans la diaspora. Il faut dire que n'oubliez jamais que celui qui donne, la main qui donne, a tendance à pouvoir à orienter les choix et orienter les décisions. C'est peut-être 13 000, ça paraît insignifiant pour les camps, mais il faut dire aux Camerounais, et d'ailleurs dans nos familles, vous savez, comment est-ce que celui qui finance, qui investit, a la capacité d'influencer les choix des gens qui restent ici. Donc vous avez des gens, ils ont peut-être un ou deux, mais qui, sous sa charge, a toute une grande famille qu'il gère, etc. Donc il suffit, parce qu'il finance régulièrement la famille, les soutient au quotidien, et donc il peut aisément donner des consignes de vote ici et agir même sur ceux qui sont localement basés au pays. Donc il ne faut pas minimiser ce score-là. Ils ont une capacité de je ne veux pas dire nuisance, mais ils ont une capacité d'influencer, de voir piloter les même de ceux qui sont ici, donc là, parce qu'ils sont des pouvoirs de fonds. Des pouvoirs de fonds, ils soutiennent les familles qui sont basées ici. Donc c'est un chiffre à prendre pas aussi légèrement tel qu'il est comme assemblé, voulait nous faire croire. Je n'en vois pas les gens faire des devinettes. La nouvelle expression a parlé de 3 leaders. Je ne veux pas. J'ai seulement donné leur nom pour que les gens qui m'écoutent savent de qui on parle. Oui, mais moi je dis qu'en donnant leur nom, le gars va se dire que bon, la nouvelle expression a déjà donné, ça vaut plus la peine que chez les nouvelles expressions. Il faut qu'ils aient acheté le journal. Moi, je dis tout simplement, et puis je ne veux pas parler de ces 3 seulement, parce que la nouvelle expression n'a parlé que de 3, mais il y en a d'autres. Bon, peut-être demain, la nouvelle expression parlera d'autres, certainement. À ce moment, on parlera de ceux-là. Pour les gens, on parle de ceux qui sont dans le journal. Je préfère leur envoyer les gens acheter le journal. Ouais. Voilà, c'est ce qu'ils devront, enfin, ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas seulement des commentaires qu'ils ont fait sur ce plateau. Il faut aller dans les kiosques acheter les journaux. Donc, on va lire également, et puisqu'on parle donc de cette bataille, avec notamment des partis politiques, chacun qui voudrait protéger, sécuriser son vote. Et il y a Mutation qui parle donc d'une période précise du 3 septembre au 7 octobre 2018. Alors, on constate que c'est le reporter aller dans le couloir même de l'angoisse dans les familles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, je veux dire, on n'est pas surpris. C'est une période assez triste où les populations de ces deux régions-là, Nord et Sud-Ouest, vont encore un peu plus souffrir le martyr, parce que voyez-vous, avec l'échéance électorale qui arrive, les deux régions seront encore 3 fois plus fortement militarisées. Vous êtes sans doute, comme moi, au courant du recrutement spécial qui a eu ces jours-ci au sein de l'armée, justement pour renforcer le dispositif sécuritaire et permettre à l'armée d'avoir une présence dissuasive dans ces régions-là. Il y a un camp qui estimait qu'il fallait démilitariser la ville pour permettre aux gens de vaincre de manière sereine à leurs occupations. Mais sauf que, au regard de la violence et la récurrence des manifestations dans ces régions-là, il serait difficile pour l'État de démilitariser et d'avoir l'impression qu'on est dans un no man's land et que chacun fasse ce qu'il veut. Donc, ils vont encore plus, c'est un mois qui arrive, vivre dans leur chair la présence, je ne vais pas dire violente, mais la présence agressive des forces de maintien de l'ordre dans cette région-là. Ça rentre dans les dispositions sécuritaires qui ont été sécuritaires et malheureusement, le plan d'assistance qui avait été initié par le chef de l'État, les fruits tardent à tenir la promesse des fleurs. On espère. On n'a pas vraiment eu le bilan. Oui, des actions ont été menées. On a vu quand même. On a vu la rentrée dans l'extrême nord avec la construction des salles de classe. Et on s'entraîne un peu. On se demande si c'est pour cette rentrée ou si c'est pour la rentrée l'année prochaine. Parce que les enfants sont déjà en classe, en fait. Non, mais le plan d'assistance, c'est pas. Il y a plein de zones de conflit au Cameroun. C'est pour ça que le plan d'assistance, d'après ce que nous lisons dans les journaux, on voit qu'il est déjà en marche depuis un bon moment. Mais moi, ce que je voulais dire, quand Mutation parle
du couloir de... il appelle ça quoi? Du couloir de... Le couloir de l'angoisse. Ce couloir est ouvert depuis l'année dernière. Depuis 2000, ça fait deux ans que ça dure. 2017, ça fait deux ans que ça dure. Et on savait très bien que le pic de l'angoisse, justement, les deux pics de l'angoisse allaient être la rentrée scolaire et l'élection présidentielle. Mais seulement, rien ne nous dit qu'après... Rien ne nous assure qu'après l'élection présidentielle, il n'y aura plus d'angoisse. Non, au contraire. Il y a même un risque de connaître encore plus d'angoisse pour toutes ces populations parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec ces gens qui veulent en réalité. Parce que quand moi j'entends les gens dire que non, il suffit que les gens s'assoient autour de table pour que ça se règle, ils oublient que les gens d'en face, les agresseurs, estiment que la République du Cameroun, ce n'est pas leur pays et qu'on ne peut pas discuter avec ce genre de personnes. Et dernier des deux, quand ils disent qu'il faut démilitariser, démilitariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État du Cameroun démissionnerait et laisserait donc la place à des gens qui, eux, font la loi comme ça se fait actuellement dans certains villages. Moi, je pense donc que c'est ce couloir de l'angoisse, il est là depuis très très longtemps. On essaye quand même de faire face. Moi, je pense que l'État devrait plutôt accentuer les dispositifs de sécurité et de sécurisation pour rassurer les populations qui... Et les dissuader de partir parce que les populations partent parce qu'elles ont peur. Elles ont peur pour leur vie, elles ont peur pour leurs enfants, elles ont peur pour l'école dans lesquelles les enfants, pour les écoles dans lesquelles leurs enfants ne peuvent plus aller. C'est pour cela que les gens désertent. Or, l'État a le devoir, justement, de protéger, d'assurer la protection des populations. Et c'est ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs. Mais seulement, on ne peut pas dire que l'angoisse va seulement s'arrêter au moment de l'élection. Non, l'angoisse, mutation a ciblé une période. Oui, effectivement. Donc, vous comprenez, du 3 septembre au 7 octobre, entre cette période, je voudrais dire, durant cette période... Bon, ce sont les pics. Il va plus loin, il semble dire que... Au-delà du 7 octobre, il est possible que l'angoisse se prolonge. Donc, je refuse de croire qu'il essaie de dire que le verdict des urnes risque de doper davantage l'angoisse et d'embraser la situation. Ben, c'est autre chose. Je refuse de croire que ce n'est pas ce qu'il veut dire, en fait. Mais en réalité, après le 7 octobre, les choses vont se prolonger. Donc, j'ai envie de croire que ce n'est pas lié au verdict des urnes qui, peut-être, selon son entendement, pourrait... doper le pic d'audience et embraser la situation et radicaliser les populations. Donc, non, c'est votre entendement. Moi, je n'évoque pas les résultats de l'élection. J'évoque tout simplement la suite de cette stratégie de terreur qui existe dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. De toutes les manières, après le 7 octobre, les gens vont toujours continuer. L'idéal aurait été que avant l'élection... Avant le verdict des urnes. Le verdict, on verra. Restons dans la logique du titre de mutation. C'est vous qui parlez de l'élection et des résultats de l'élection. Je suis que je vous ai bien compris, simplement. Non. Restons dans la logique du titre de mutation qui a ciblé une période du 3 septembre au 7 octobre, c'est-à-dire le couloir de l'angoisse dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Point. Alors, le reste, c'est le lecteur qui ira lire et comprendre à sa manière également. La nouvelle expression parle également ce matin aussi, c'est un sujet qui fait le tour des tabloïds, parlant de la circulation des armes, à Tangandi, qui assouplit notamment sa position quant à la levée, même de suspension de vente des armes à l'intérieur du Cameroun. Mais cette décision ne concerne pas les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Non, moi je pense que ce qui s'est passé à Yaoundé hier avec la rencontre entre le ministre Tangadji et les vendeurs d'armes du Cameroun est quelque chose d'assez important dans la mesure où avant l'arrivée de M. Tangadji, les ministres d'administration territoriale ne s'occupaient réellement pas de la circulation des armes et de la vente des armes, ce qui fait que les armes n'étaient même pas fichées. Et je vous l'ai dit ici, il y a des gens qui avaient une autorisation d'achat ou de port d'armes de chasse, mais quand vous allez regarder ce qu'il a chez lui, vous allez retrouver un pistolet Browning ou bien un pistolet même des tasers. Donc aujourd'hui, moi je pense que le ministre Tangadji, qui est arrivé en pleine période de conflit, a compris qu'il fallait absolument encercler le secteur des armes, il fallait absolument le contrôler et maintenant mieux le connaître. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé par demander
obtenir la fermeture de toutes les boutiques de vente d'armes. Ensuite, il les a fichées. Elles étaient toutes connues. Et qu'est-ce qu'elles vendent? Et maintenant, il a demandé à ce que les armes, quand elles sont vendues, il faut qu'il y ait un fichier permettant de savoir que M. Guillaume Fongan a un pistolet Moser, M. Flavien Valonongo possède, disons, un fusil Kalachnikov. Et maintenant, on le sait. Et maintenant, il avait dit au moment où il avait pris cette mesure qu'il y a la loi qui prescrit bien la vente et la circulation des armes. Mais cette loi n'était pas respectée. Il a fait que tout le monde soit fiché. On sait maintenant, il sait maintenant qui vend quoi. Et il dit maintenant, comme ces vendeurs d'armes sont aussi des opérateurs économiques, il a dit, vous ne pouvez pas les étrangler. Après avoir fait un travail de fichage et de contrôle net, il a ouvert. Maintenant, en ouvrant, il a effectivement demandé que, prescrit que les ventes d'armes ne se fassent pas, ni dans le sud, ni dans le nord-ouest, pour les raisons évidentes. Vous savez très bien qu'il suffit de casser une armurerie pour prendre et amener cela en brousse. Donc, il fallait bien s'y attendre. Et moi, je pense qu'il va dans la logique de la stratégie qu'il avait du contrôle des. Mais c'est une question quand même que pose Guy Avey Fonga. Est-ce qu'on a pu identifier tous ceux qui sont en possession d'armes, je voulais dire, de protection? Personne ne saurait répondre à cette question de manière claire et précise. Je veux dire que savoir qu'il y a un peu comme si par le passé, il n'y avait pas un fichier qui permettait à ce qu'on identifie qui achetait telle arme, quelle utilisation. Je veux dire que vous pouvez peut-être aujourd'hui, avec la série des braquages qu'il y a eu, etc. Donc les gens peuvent très bien se procurer des armes par des manières... Des voies parallèles. Oui, pas des voies parallèles, c'est tout à fait possible. Mais il faut dire, je peux dire que c'est quand même surréaliste de penser que les armureries vendaient les armes aux premiers venus sans toutefois les identifier. Non, ce n'est pas vrai. J'étais un peu proche de ce secteur Camille il y a quelques temps. Donc, un des plus célèbres armuriers n'est pas très loin d'ici. Un chanteur, vendeur d'armes et tout ça. Donc, il y a un armurier qui est très célèbre un peu partout dans les régions du Cameroun. Non, il faut peut-être dire quand même, quand vous venez acheter une arme, il y a d'abord une enquête de moralité qui est faite par l'armurier. Même si vous avez de l'argent, on ne vous vend pas forcément. Donc, le fichier a toujours existé. Donc, il ne faut pas croire, il faut faire croire que ça se vendait à la volée. Ce n'est pas vrai. C'est un commerçant, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est un commerçant, mais l'activité est réglementée, elle est encadrée. Je veux dire que vendre l'arme au premier venu, lui-même, ce n'est pas... C'est prendre des risques qui ne sont pas de nature à laisser prospérer son business. Donc, vous avez une enquête de moralité, vous avez un dossier que vous introduisez, et vous avez une période où, avec l'administration compétente et l'armurerie, on mène une enquête pour être sûr qu'on peut véritablement vous vendre cette arme-là. Donc, ça prend un certain temps. Et je crois que là, c'est aussi, à mon sens... je ne vais pas dépasser le problème, mais cette mesure du d'Antan Gandhi a été prise au moment où la crise anglophone commençait à atteindre un certain pic. Donc il fallait avoir un droit de regard sur les armes qui sortent et qui circulent dans l'étendue du territoire, et je suis relativement heureux de constater que cette mesure-là, cette levée-là ne concerne pas le sud-est, le nord-ouest, sauf que les gens peuvent très bien venir ici acheter les armes et repartir dans ces régions-là. Donc, au finish, on dépasse le problème sans vraiment le régler. Et puis, il y a des choses encore plus graves. Peut-être qu'il faut que nos forces de l'ordre se réveillent et fassent leur boulot. Aujourd'hui, vous avez dans les quartiers, si vous allez à Newbell, à la Briqueterie, vous avez une nouvelle activité qui prospère, c'est des gens pas toujours identifiables qui passent le long des journées dans ce qu'ils appellent les sortes de maquis en planche, etc. Où ils boivent les bilibili à longueur de journée. Vous avez des bilibili à longueur de journée. Vous avez dans ces endroits-là un trafic de tramol à ciel ouvert, avec la drogue qui circule à ciel ouvert. Vous évoquez, en tout cas, souvenez-vous que dans des établissements scolaires, ça devient... Donc c'est des poches de tension, comme dans les quartiers Newbell, la Briqueterie, etc. C'est de manière, en pleine journée, on va vous passer, vous voyez, une 150 motos, vous demandez ce qu'ils font là, alors qu'ils sont en train de... Et le soir, c'est encore plus grave parce que c'est le refuge des brigands et de ce genre de personnes qui sèment la panique et qui nuisent à la tranquillité des populations. Je pense qu'il faut, élargir le panel et sécuriser les populations qui, de manière légitime, aspirent à un bien-être, et l'État est dans son rôle régalien de protéger ces populations-là.
Il y a des phone gangs. Vous avez certainement approché, comme vous l'avez dit, un ou deux vendeurs d'armes. Mais seulement, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas le vendeur d'armes qui faisait l'enquête de moralité. C'est l'administration qui faisait l'enquête de moralité. Et de deux, quand l'administration délivrait l'autorisation. Oui, l'armurerie. L'autorisation. Oui, il avait une autorisation. Mais il y en avait qui demandaient à l'armurier, achète-moi plutôt telle arme. C'est-à-dire qu'il y a des armes, il y a des armes de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième catégorie. Donc, il y avait des armes qui étaient non létales, mais qui la personne avait l'autorisation de port ou d'achat d'une arme non létale, mais on se retrouvait chez lui des armes de gros calibre et qui étaient justement des armes de guerre. Tout simplement pourquoi? Parce que lui, il a son autorisation, il donne de l'argent à l'armurier qui, lui, a la possibilité d'importer l'arme et c'est comme ça que ça se faisait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient là-dedans, mais le véritable problème était que ce marché-là n'était pas contrôlé du tout. Les gens, on ne savait pas qui détenait quelle arme. Il y avait plein de gens qui détenaient des permis de port d'armes, mais ce ne sont pas ces armes qu'on retrouvait chez eux. Donc c'est pour cela que le ministre Atanganji, en demandant d'abord la fermeture, il a d'abord voulu voir clair. On a demandé à tous ceux qui ont des autorisations de port d'armes de les ramener et de ramener les armes qu'ils ont. Et on a vu effectivement qu'il y avait des armes qui n'étaient pas celles qu'on attendait. Donc je pense que le ministère de l'administration intérieure a fait un travail assez précis et qui va beaucoup plus faciliter la compréhension et la perception de ces personnes qui vendent des armes ou celles qui détiennent des armes. Alors une opération qui ne va pas se limiter qu'à ce moment précis. Non, elle est perpétuelle. On peut lire l'article dans la Nouvelle Esprit en page 8 de ce matin, parlant de la circulation des armes, Atanganji assouplit donc sa position, mais en retenant les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui restent en tout cas les régions où les armuries restent davantage sous contrôle. Donc, on peut lire le sujet ce matin. Alors, que se passe-t-il à la Fédération camerounaise de football? On parle bien entendu des basses manœuvres. Happy qui veulent sucer la CAN 2019 et le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Que se passe-t-il lorsqu'on parcourt l'Atlantique? On observe qu'il y a des manœuvres qui se déroulent. Il se passe que le Cameroun, c'est une curiosité planétaire qui se gargarise d'être en permanence sous normalisation. Je veux dire qu'il n'y a aucune mérite, il n'y a aucune fierté qu'une fédération soit tout le temps en train d'être normalisée. Ça veut dire qu'il y a un problème. On a un vrai problème de politique sportive. On a un vrai problème. C'est un aveu d'échec de l'establishment qui est incapable de réguler une activité depuis plusieurs années aujourd'hui. On ne peut pas être fier que on soit en train de normaliser de manière éternelle une fédération. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, le mandat est de mettre à pied prolongé. Là, vous avez vu comme moi. Mais on voit bien qu'il y a la normalisation du ministère des Sports, c'est plein de nuages. Rien ne va véritablement pas entre les deux, c'est-à-dire le comité de normalisation et le ministère des Sports. Vous savez, tout cela ne facilite pas la mise en place de la structure. Quand M. Happy prenait les rênes de la normalisation il y a un an, il avait dit qu'il en avait pour 6 mois. 6 mois. Il avait dit que je ne veux pas entendre parler de prorogation de cette normalisation. Il a obtenu une première prorogation. Et là, maintenant, il vient d'obtenir une deuxième. Ça veut dire qu'on ne dit pas toujours ce qu'on fait, on ne fait pas toujours ce qu'on dit. Mais est-ce que le blocus se trouve à son niveau? Mais le blocus, c'est au niveau du ministère des Sports et peut-être à la FIFA, la CAF et autres. Le blocus, les structures chargées blocus, quand on lit le titre d'Informatin ce matin, on se dit que Bidoum et Happy veulent tout faire pour traîner les pieds afin de participer à la Coupe du Monde, comme l'a fait le professeur. À la CAN. Comme l'a fait le professeur Joseph Ouna pour la Coupe du Monde il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ils veulent tout faire, multiplier les dilatoires, pour traîner les pieds au maximum pour pouvoir gérer la CAN. Bon, mais seulement c'est ce que le journal veut dire. Mais qu'est-ce qui se passe à la fédération? Qu'est-ce qui se passe effectivement dans ce comité de normalisation qui n'arrive pas toujours à boucler sa normalisation et à atteindre enfin l'élection d'un président de la fédération? On ne sait pas, mais tu as dit que c'est vous, Guy Hervé Fongan, qui dites que le Cameroun est une curiosité planétaire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous comprenez? Donc, s'il est le Cameroun, c'est parce que justement, on peut trouver ce genre de situation dantesque dans notre pays. Cependant, vous comprenez que quand on se retrouve avec quelqu'un qui est arrivé dans une maison en disant que pas question de prolongation, mais il est au jour d'aujourd'hui, il en est déjà à la deuxième prolongation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça veut dire qu'il n'a peut-être pas eu les coups de franche
parce que c'est à ce niveau-là aussi se trouve le problème. On n'a pas permis, on n'a pas facilité le travail à cette équipe, sans doute, quelque part. Donc, on peut lire aussi l'article dans la nouvelle dans le journal Info Matin de ce matin. Je voudrais vous souhaiter déjà de passer une très bonne journée, un bon retour à vos différentes rédactions, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette autre édition de la Revue des Grandes Unes, la quatrième de la semaine. Demain, nous serons encore live entre 9h et 20h. Bonne journée à tous.